Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, nous reprenons aujourd'hui donc la deuxième journée. Donc le panel est intitulé. Comment le terrain comme recherche création. Donc on a après cette journée vraiment sans, enfin l'année dernière oui peut-être un peu fatiguée la journée d'hier vraiment plus centrée sur sciences humaines et sociales et une réflexion aussi sur les méthodologies et les croisements on l'a vu aussi sur les différentes postures. Donc là on va aller plutôt du côté on va dire art du spectacle et nous allons commencer par une première intervention de Muriel Plana qui est donc professeure en études théâtrales à l'université Toulouse-Jean Jaurès, membre de LLA Creatis. Ses recherches portent sur les relations entre théâtre et autres arts, le genre, le queer, l'anticipation. Elle a publié notamment Théâtre et féminin en 2012, Théâtre et politique 1 et 2 en 2014, Fiction queer, 2018, Monde à venir, l'art de l'anticipation au théâtre en 2022, donc c'est tout frais. Elle a co-dirigé aussi les collectifs esthétiques queer en 2015, Corps troublé en 2018 et Identité de l'artiste en 2021. Et peut-être que maintenant, je te donne la parole pour 20 minutes. Voilà, il faudra me couper sûrement, mais j'ai confiance. Hein. Merci, merci beaucoup à Nathalie. Je crois que le micro fonctionne pas. Alors, j'appuie. Voilà, il faut lui laisser un peu de temps. Est-ce que ça marche ? Allô ? Bravo. Ouais, donc je commence par remercier Nathalie et Léonore de m'avoir invitée à réfléchir sur le terrain, alors que je tiens à préciser que je n'en suis pas du tout spécialiste, n'en fais pas usage dans mes travaux, n'y connais rien, donc c'est ce que je t'ai écrit Nathalie, mais tu as insisté pour que je tente de l'articuler avec la recherche-création, la recherche-création comme relation dialogique. Donc je vais essayer d'expliquer un peu. Je pense que c'est ce dialogisme qui a attiré ton attention. Et peut-être aussi les recherches donc, qui ont été mentionnées par Éléonore à l'articulation entre études théâtrales, études de genre, études queer. Et puis notre référence commune à Haraway. Donc je crois que tu as vu un rapport à faire, hein, une manière différente d'entrer dans la question qui est quand même très pointue, très complexe de ce colloque. Et d'y défendre la recherche-création contre des biais dont on a parlé, et là j'en ai repéré un, l'enclicage, hein, donc j'ai appris ce terme savant très très intéressant, dont les biais dont on l'accuse parfois, donc à juste titre. Donc, je vais tenter de répondre à cette commande, défi, à travers une approche esthétique et politique de ce concept, le terrain, ou cette notion, cette idée. Ici et maintenant, et précisément en cherchant dans ce qui revendique a priori, c'est ce que j'ai retenu aussi de l'appel, hein, le réel contre l'idéologie, le terrain, en cherchant la part d'idéologie dans ses usages actuels postmodernistes. Alors, je tiens quand même à vous rassurer, hein, je ne vais pas aller jusqu'à polémiquer en théorisant un terrénisme. Comme j'ai pu le faire par exemple pour le vécuisme ou le docuisme ou même le performativisme, hein, comme une sorte de norme de la scène contemporaine, mais juste tenter d'y réfléchir de mon point de vue, donc d'enseignant, de chercheuse en études théâtrales qui encadre hein, des masters, des mémoires pro, recherche avec des entretiens, avec des terrains en thèse, donc aussi en recherche-création. Qui pratique, théorise cette recherche-création collectivement dans son labo. Donc elle est la créatrice à Toulouse et qui pratique depuis longtemps, en dialogue, voire idéalement en relation dialogique avec ses recherches, l'écriture, la mise en scène. Alors, citons notre amie Judith Butler, hein, dans ses corps qui comptent, cette phrase un petit peu qui peut nous inspirer globalement pour ce que je vais essayer de vous dire ce matin. Elle dit « Mettre en question un présupposé, ce n'est pas du tout s'en débarrasser, mais c'est bien plutôt l'affranchir de son ancrage métaphysique afin de comprendre quels intérêts politiques sont garantis par ce positionnement métaphysique. »
Alors, pourquoi une recherche en art ou une création artistique fondée sur un terrain ou impliquée dans un terrain serait-elle a priori plus légitime qu'une autre en contexte contemporain définissable, nous y reviendrons, donc comme post-moderniste. Qu'est-ce qui rend le terrain si séduisant, si à la mode aujourd'hui en art et dans la recherche en art, une mode qui en devient presque inquiétante, y compris pour les disciplines comme l'ethnocénologie dans lesquelles il est pourtant indispensable. Rien d'étonnant à ce qui nous fallait de ce colloque, hein, pour faire un point sur ses usages, ses significations dans nos champs artistiques, peut-être remettre quelques pendules à l'heure sur ce que cela veut dire vraiment que de travailler à partir d'un terrain en SHS et ou en ALL, art, lettres, langue. L'appel à com rappelle que le terrain, c'est d'abord, je cite, « partir du concret, du particulier, contre les généralisations, du réel, contre les idéologies ». Je ne peux qu'applaudir à ce principe en me disant que partir réellement des œuvres d'un corpus, une pièce qu'on lit, un spectacle qu'on voit, c'est aussi concret que s'ancrer dans des entretiens ou des observations sociales ou culturelles, que ce qui nous est commun entre l'ethnocénologie et les approches esthétiques et politiques que je préconise, c'est qu'on ne plaque pas une théorie sur des œuvres, qu'on ne traite pas les œuvres, les pratiques, comme des illustrations de thèses préalables, de philosophie ou de sociologie sur l'art. Qu'on les interroge en contexte, d'un point de vue partiel et situé, qu'on les laisse parler d'abord, qu'on les regarde, qu'on les écoute, tout me paraît essentiel, qu'on les pratique éventuellement, qu'on est conscient de leur spécificité comme art, forme, de leur histoire, qu'on tente de les comprendre, de les interpréter, de dialoguer avec elles, qu'on ne se les approprie pas. Alors, j'ai ici traduit dans mes mots ce que j'ai compris du point épistémologique que toi, Nathalie, tu as pu faire sur l'ethnocénologie comme transdiscipline dans un article à travers la belle métaphore du réseau mycélien et sur la méthodologie très rigoureuse et exigeante de l'enquête, l'enquête de terrain. C'est pareil que finalement le terrain. Mes postulats d'étrangère à cette transdiscipline ambitieuse sont les suivants, donc c'est ce que j'ai compris. L'enquête de terrain en ethnocénologie, donc, et non le terrain, qui en soi prend d'autres sens, et c'est sans doute là que l'idéologie se glisse, est une méthodologie de recherche qui suppose problématiques, postulats et hypothèses explicites, circonscription argumentée du terrain d'observation, donc qui sera confronté dialogiquement, donc idéalement dialogiquement, à ces hypothèses, procédure d'observation, parfois d'observation participante, entretien et analyse d'entretien suivant des règles strictes, éthiques, scientifiques, etc., sans compter la maîtrise, dès lors que l'objet est art vivant, des exercices. Analyse de spectacle, de performance typique de nos disciplines, ce qui fait qu'un sociologue, un philosophe lambda ne peut s'improviser ethnocénologue, c'est ce que j'ai compris dans ton article. De mon point de vue extérieur à l'ethnocénologie, cette méthodologie, l'enquête de terrain, n'est pas plus ni moins légitime qu'une autre modalité de travail en art vivant, par exemple donc l'analyse dramaturgique, l'analyse de spectacle, l'approche historique. Tout dépend de l'objet étudié, mais elle peut, dans tous les cas, lui être utilement associée. Le rapport est de complémentarité éclairante. L'approche ethnologique a donc, dans ses principes épistémologiques, des points communs avec l'approche esthétique ethnocénologique, avec l'approche esthétique et politique que je défends, autrement dit, articulée esthétique, et par exemple, chez moi, études de genre, études queer, mais aussi certaines SHS en fonction de l'objet en art. Donc, sachant tout cela, telle est notre question plus précise que nous apporte l'enquête de terrain dans une perspective de recherche création en art vivant, puisque je suis attendue là, que peut-elle nous apporter à partir du moment où l'on envisage la recherche création, comme mon ancienne doctorante et responsable de recherche à l'école de Cirque des Altos, Karine Sarraud et moi, venons de le théoriser pour un collectif interdisciplinaire en voie de publication au sein de notre laboratoire, donc Evelacratis, comme relation dialogique, dans la recherche création comme relation dialogique. Alors, mon exposé va d'abord retravailler le concept de terrain, non dans sa définition rigoureuse, donc non la question de l'enquête de terrain, mais comme l'idée dominante dans le monde de l'art, comme valeur, norme postmoderne. Je me demanderai quelle idéologie du terrain gouverne le champ artistique et de la recherche en art actuel, pourquoi il en est ainsi aujourd'hui.
et je m'efforcerai ensuite de l'articuler à la question de la recherche-création en art dans son état actuel, tel qu'il peut poser problème d'une part, et à l'aune donc de cette théorie générale et de cette pratique de la relation dialogique entre recherche et création d'autre part. Donc premier point, donc la critique du terrain comme idéologie. Alors le concept de terrain, donc importé, hein, quand même des SHS, des sciences humaines et sociales, se substitue de plus en plus au concept traditionnel de corpus hein, au sein de la recherche et de la recherche-création en art lettres et langues. Pourquoi ? Alors, je vais essayer. Hein. Terrain est une métaphore spatiale alors que corpus a des connotations à la fois plus abstraites et plus biologiques, traduisant dans la sphère académique l'idée d'un rassemblement d'objets de même nature, qui seront à étudier selon un angle problématique qu'on a tiré de leur connaissance, observation, analyse initiale, donc problématique, hypothèse, interprétation. Corpus est le corps de la thèse, du master, de l'essai de recherche, que c'est un ensemble d'œuvres ou de pratiques, non des sujets humains comme des artistes ou des compagnies, donc ensemble d'œuvres ou pratiques supposées quasi organiques. Corpus suppose qu'on travaille sur le produit artistique de l'humain, plutôt que sur le ou les sujets, individus, groupes, cultures de la production. Terrain et géographique, corpus comme latinisme sonne plus historique, évoquant une forme de tradition qui a fait catégorie, comme le mot théâtral de répertoire. Terrain connote le concret et même le bas, populaire, façon bactine ou quotidien, trivial, ordinaire de rang bas, façon cantor. Il sonne plus démocratique, voire même un peu anti-autoritaire, avec un risque de démagogie et de populisme. Il est alors presque synonyme de base. Notre idée vient du terrain, notre idée vient de la base, pas des autorités, pas de l'académie. On l'utilise aussi, moi la première, dans certaines relations socio-politiques en milieu professionnel. Il n'est pas rare que je revendique contre les formatages des appels à projets surplombants venus du ministère, inadaptés à mon sens aux besoins, ambitions réelles de la recherche et de l'université en art, lettres, langues, les idées du terrain, l'imagination du terrain, ça révolte même. Donc, terrain postule une diversité, une pluralité de son contenu, plus composite, plus anarchique, plus incontrôlable, plus conflictuel. Terrain, on pense à l'espace du combat sportif. Terrain, moi, personnellement, je pense à rugby tout de suite. On pense à la sociologie de Bourdieu. Ça rompt avec le bel animal, hein, comme avec le corpus cohérent. Le terrain paraît autonome, référant moins à un principe organisateur transcendant. Il aurait lui-même ses idées de projet. Un projet, d'ailleurs, est aussi un mot néolibéralisé, hein, comme collectif, malheureusement. Il ne répondrait pas, presque par nature, hein, ce terrain, à la mode, à la norme actuelle, aux injonctions dominantes. Il répondrait à ses propres désirs qui seront peut-être les besoins de demain. C'est la force presque magique à notre époque du mot de terrain qui explique selon moi son extension parfois abusive avec déplacement de sens néolibéral, donc éventuellement hors de son champ spécialisé SHS. Il prend ou reprend un sens plus courant, plus social, plus militant que scientifique, plus subjectif qu'objectif. Il semble que le savoir va monter de la terre et non descendre du ciel, ce qui le légitime idéologiquement sous un angle progressiste et encore toujours, en tout cas en art, où l'anti-rationalisme et l'anti-intellectualisme sont très puissants depuis les années 80, et scientifiquement, en termes d'induction, science expérimentale, modélisée sur l'observation des faits plutôt que de déduction, où là la modélisation est mathématique. C'est le particulier et même le singulier contre l'universel abstrait, qui est quand même le Satan actuel. Ce qui est direct et frontal est toujours mieux perçu aujourd'hui que ce qui passe par des intermédiaires ou des détours. Souvent en effet producteur de biais idéologiques, mais aussi souvent, je pense ici à l'art de la fiction, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Fiction queer, pour dire le réel, l'altérité féconde. Ainsi, à l'âge postmoderne, beaucoup de mots porteurs d'exigences scientifiques et de belles intentions démocratiques peuvent se réifier en label, voire le sort d'autres mots hein, que terrain, politique, féminisme, même queer, hein, voire se retournant en devenant des valeurs instrumentales contre leur sens initial. D'ailleurs, je crains que ce soit bientôt une sorte de dialogisme. Car le terrain, c'est aussi devenu l'idéalisation de la proximité par rapport à la distance, de la présence par rapport à la représentation, de l'action participante par rapport à la contemplation et à la réception. Si
supposée forcément consommatrice du réel vécu par rapport à la fiction créatrice de possible. Ainsi, de plus en plus, dans les bibliographies de thèse ou de master en art du spectacle, on ne trouve pas la catégorie corpus des œuvres, spectacle, texte, film, etc. étudié, corpus primaire, corpus secondaire. On passe directement à la bibliographie et les études sur le théâtre et l'art ne précèdent pas les ouvrages en sciences humaines et sociales qui trônent en première place. Sinon, quand les études en art sont là, tout est là en vrac. Le terrain lui-même n'est pas mentionné, sinon en annexe, parfois après la table des matières, par la retranscription des entretiens souvent faits à la va-vite, en plus. Pourquoi ? Parce que le terrain parlerait soi-disant de lui-même, à travers l'impact, monéolibéral aussi, qu'il a sur le chercheur, la chercheuse, témoin du réel. Le terrain est vrai en lui-même, référence ultime dont on ne peut que se faire le narrateur, transcripteur. Souvent, quand même, héros de l'enquête, héros ou héroïne de l'enquête, hein, car je constate qu'en art et en recherche, le sujet de la recherche, de la création, se met plus fortement en scène lui-même, parfois en narcisse, hein, que les personnes interrogées ou les performances étudiées. On est le témoin de tout, donc, non l'analyste critique, non l'interprète des faits. Ce terrain qui est si concret a priori passe alors dans le monde métaphysique, de l'indicible, de l'impossible, à référer, à commenter, à étudier même. Il ne peut pas figurer à la fin d'une étude comme telle, ni parfois être distancié pour être pensé, car ce serait le trahir. Il est l'objet-sujet de la recherche qui a raison contre le sujet-objet de la recherche. Non le chercheur-chercheuse qui est donc le héros ou l'héroïne de l'histoire, mais l'institution universitaire, la tradition académique, la raison. Il est l'objet-sujet idéalisé qu'on ne saurait critiquer. Une rencontre avec le réel, comme altérité et peu saisissable. Je suis bien d'accord, c'est aussi ce que tu écris, Nathalie, dans ton article. Mais peu n'est pas pas. Hein. Ce peu excite justement le désir de connaissance, de pensée, qui commence avec le regard, l'écoute, la discrétion, le retrait face au complexe, à l'évanescent, à l'étrange étranger. Plus cette rencontre est difficile à discerner et à penser, plus elle nous intéresse. C'est sûrement pourquoi nous aimons les arts vivants. C'est une rencontre difficile déjà qu'une analyse de spectacle de base. Mais de peu discernable à indiscernable et impensable, comme d'énigmes politiques à mystère métaphysique, le saut peut être vite réalisé par certains ou certaines. Là, le terrain est artificiellement opposé à toute critique esthétique, politique, scientifique, d'un fait artistique. Et c'est là le retournement diabolique d'une théorie quelconque dominante, sociologique ou philosophique notamment. C'est pour ça que souvent on trouve d'emblée, par exemple pour les travaux sur théâtre et études de genre, on va vous mettre la bibliothèque études de genre avant de mettre les œuvres elles-mêmes qu'on étudie. La confusion entre l'être et l'action, entre l'être et la production est ici une stratégie idéologique donc, que j'appelle postmoderniste, inconsciente, hein, je ne pense pas que ça soit calculé, hein, chez les acteurs, les actrices, chercheurs et artistes, pour empêcher la réception distanciée et constructive. Autre élément d'idéologie, hein, l'œuvre-processus est une de ces manifestations. Comment critiquer quelque chose qui est en mouvement, qui ne s'offre pas à l'altérité, ni à la critique. Une œuvre, même un spectacle qui se délimite de lui-même dans l'espace-temps, qui à un moment se dit achevé, ou plutôt disposé à être achevé par le quatrième créateur, créatrice, pour citer Meyerhold, le spectateur, donc le chercheur, la chercheuse, une telle œuvre peut être étudiée et critiquée, et pas le vécu irréductible, si on reste dans le processus. Il faut donc que l'artiste offre l'œuvre à autrui, la laisse s'autonomiser de lui, devenir un tiers, même en lui, et surtout face à la réception. Et là, le mot tiers réfère à Jacques Rancière. Hein. Mais dans nombre de productions postmodernes, l'artiste ne lâche pas l'affaire. Pourquoi ? Parce que pour lui, ce n'est pas ce qu'il fait, produit, change ou ne change pas en nous. Ce n'est pas de ce qu'il fait qu'il faut que nous parlions, mais uniquement de lui, de son identité d'artiste. Et là, je renvoie au collectif que tu as cité, le 21, sur l'identité de l'artiste. Le postmodernisme, deuxième point, et confusionnisme aussi. En France, je ne sais pas ailleurs, hein, l'essor du terrain de la recherche-création en art du spectacle coïncide dans le temps, donc années 2000-2010,
le terrain fait alors symptôme comme idée, presque comme objet de désir, d'une certaine crise. Alors, crise, mot tarte à la crème aussi, crise de la recherche, du rapport de la recherche avec la culture, autrement dit avec la réception elle-même artistique, exigeante de l'art. La recherche se suffisait longtemps d'être réception. Elle ne se suffit plus d'être réception. Il faut qu'elle soit création, car la réception seule ne paie plus en contexte postmoderne. Il y a, il est vrai, un désintérêt pour la critique. Une émission récente sur France Culture en faisait encore état le mois dernier, donc sauf chez l'œuvre patentée, on n'analyse pas les œuvres. En fait, on interroge les processus de création de l'artiste et le vécu de l'artiste. Et ça, c'est valable dans le journalisme comme à l'université. Pourquoi ? Parce qu'en termes de temporalité néolibérale, on a de moins en moins le temps de recevoir et d'étudier avant de produire. Ou idéalement, c'est là que la recherche-création est quand même bien, attention, je ne vais pas en dire que du mal, en même temps que l'on produit. L'intérêt pour les œuvres comme spectateur récepteur en outre s'est déplacé donc sur les personnes, d'où l'envie de créer soi-même et d'accéder à l'identité d'artiste, plus encore qu'à l'activité artistique. Et recevoir simplement la création d'autrui, l'interpréter, lui offrir des retours, la faire vivre, du temps perdu. C'est le paradoxe de cette époque où des auteurs qui inondent le marché se plaignent du fait qu'il y a trop d'auteurs, trop de livres, pas assez de lecteurs, ni de bons critiques. Ce qu'on désire pour soi, on le désire à condition que l'autre n'y ait pas accès. On continue à revendiquer cette position enviable créateur, et on attend pour cela que les autres ne créent pas. Car ceux qui se démocratisent se dévalorisent, comme ceux qui se féminisent, etc. Nous pouvons peut-être renverser cette généalogie effrayante de la recherche-création, en lien avec le déplacement postmoderniste de l'idée de terrain. Mais pour cela, il faut éviter le confusionnisme entre le sujet de la recherche et l'objet de sa recherche. Oh oui, qu'il soit un terrain, un corpus d'œuvre ou sa propre œuvre, on le peut, n'étant pas toujours son premier lecteur, je parlais jusqu'à la fin de mon truc, ainsi que la fusion de la recherche et de la création. Maintenir fermement, sinon dans le corps du sujet humain, du moins dans l'action, le tirer de la différence. Alors là, je balance ma définition du dialogisme. Le tirer de la différence, mais aussi de l'égalité, de l'autonomie et de l'effectivité ou interperformativité entre les deux. Faire en sorte qu'entre notre part créative et notre part réceptive, contre le binarisme, l'essentialisation, la séparation, il y ait dialogisme. Il me reste la moitié, mais c'est pas grave, je m'en doutais. Merci de votre attention. On en reparlera informellement, c'est la suite. Merci.